Bonjour et bienvenue à notre émission de CHM TV. Mon nom est Derek Dubin, nous sommes le jour 4. Premièrement, des annonces du matin. Il y avait une danse en fin de semaine pour le volleyball. Merci à ceux qui ont contribué pour faire cette danse. Merci. Maintenant, on passe à Alexandre pour la météo. Merci, Derek. Lundi après-midi, ensoleillé avec passage nuageux de moins 21 Celsius. Lundi soir, généralement dégagé, avec moins 21. Mardi, faible neige de moins 11 Celsius. Mercredi, nuageux avec éclaircie de quelques averses, avec moins 6. Jeudi, moins 17, avec ciel variable. Merci. Et passons à Derek. Merci, Alexandre. Nous allons passer à nouvelle insolite. Connaissez-vous le film Matador? Mais si vous la connaissez, on a trouvé une nouvelle insolite à propos de ce film. Selon le site www.cyberpresse.ca, les films de compagnie ont augmenté au Royaume-Uni. Il met en scène un rat d'égout parisien avant de devenir un grand chef cuisinier. Nous avons trouvé ça très drôle parce que c'est un film qui a augmenté les films des rats de compagnie et c'est très bizarre. Maintenant, on va passer à une petite vidéo réalisée. Présenté par Émilie Don, un élève de troisième année au CHM. Mon expérience est faire disparaître là comme par magie. Pourquoi lorsque les bébés font pipi dans une couche, le liquide ne coule pas à terre? J'ai besoin d'une couche, d'une feuille de papier coloré, de ciseaux, une bouteille d'eau, un bocal. Je prends ma feuille de couleur. J'enlève la mousse et la poudre dans la couche. Je ne prends pas le coton. Je vide ceci dans mon bocal. Je vide de l'eau dans le bocal. Et je ferme le couvercle. Je brasse. J'obtiens de la gelée. Je partage ma découverte. La poudre absorbe l'eau. Elle se transforme en gelée. C'est pour cela que les bébés restent au sec dans une couche.
Maintenant, les nouvelles du sport. En fin de semaine, il y avait un tournoi de mini-handball au Carrefour de la jeunesse. Les joueurs ont bien participé et j'ai eu la chance de les voir. Bravo! Aussi, samedi, malheureusement, les Canadiens ont perdu 2-0 contre les Penguins de Pittsburgh. Même les Penguins ont perdu les services de Sidney Crosby blessé à la jambe. On va passer à Jonathan Aboutout pour un projet d'art réalisé par Bianca Mallard-Jones, un élève du CHM. Bonjour Bianca. Bonjour Jonathan. Quel matériel as-tu utilisé pour faire ce projet? J'ai utilisé du papier, du 4 ans et le bon vieux crayon. Comment as-tu fait ce projet? J'ai regardé sur l'internet une photo que je voudrais prendre. Je l'ai tracée au crayon et j'ai découpé un peu comme un casse-tête. D'accord. Quand tu fais le projet? Environ 4 semaines passées. D'accord. Aimes-tu faire de l'art? Bien sûr, Jonathan. C'est ça qui finit les questions pour l'art. On va repasser avec Derek. Merci, Jonathan. C'était tout pour cette émission. Et au revoir.